Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 34 d'Au coin du DVD. Épisode 34, une nouvelle fois sous le signe de la lettre P. On a fait quand même bien le tour la semaine dernière quand je vous ai évoqué les quelques titres. J'en ai quelques autres à apporter, histoire de vous donner quelques petites idées. J'ai par exemple Planète Terreur dans la lettre P. Planète Terreur qui est un des films de Robert Rodriguez que je trouve le plus abouti, sans le moindre doute. J'ai également tout simplement Postal du V-Ball. Ne me demandez pas comment je l'ai eu, je l'ai. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et il y a plein d'autres films, mais alors le film que j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est un film français d'action avec Vincent Lindon en tête d'affiche. Et je sais, sur le papier, ça semble être un énorme camoulox. Et je comprendrai ceux qui pensent que c'est un camoulox. Mais courant des années 2000, il y a eu une mouvance d'un cinéma d'action à la française que je trouvais particulièrement cool, emmené par un cinéaste en particulier. Il y en a eu d'autres qui ont suivi, mais c'est vraiment lui qui a choisi de mener cette vague. Il a fait trois films d'action qui sont pour moi essentiels à la production audiovisuelle moderne, trois films que je chéris énormément, trois films que j'aime beaucoup, trois films qui me font surkiffer le genre. Et là, je vais vous parler du premier qu'il a fait, qui se nomme Pour elle, de Fred Cavaillé. L'histoire va être hyper simple. En gros, un père de famille voit sa femme accusée d'un meurtre. Elle part en tôle. Lui est persuadé de son innocence, mais personne n'est capable de prouver son innocence. Et il va décider de tout faire pour la faire sortir de là. Le pitch est génial en soi. On va être sincère, le pitch est l'un des trucs les plus accrocheurs que j'ai eu au cinéma depuis bien longtemps parce que c'est simple. C'est hyper simple. C'est même pas loin d'être simpliste. Et on pourrait presque se dire, ouais, vas-y, c'est un peu convenu quand même. Il aurait pu trouver quelques ressorts ou d'autres facilités. Le film est court. Le film fait à peine 1 h 30. Et c'est génial. Parce que du coup, tout est condensé à son essence pure. Et tout donne lieu à une œuvre qui est cohérente du début à la fin. Et moi, quand je vois Pour elle, à chaque fois, je me dis, punaise, le pari est complètement fou. Mais il fonctionne à 200%. Fred Cavaillé choisit de faire un film d'action, il maintient une tension quasi constante durant tout son métrage, et alors il te fait 30 dernières minutes qui sont tellement accrocheuses, tellement haletantes et tellement puissantes que tu peux pas décrocher de ton écran et tu te dis c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, non, non, ils vont quand même pas se faire gueuler, etc. Et c'est génial parce que du coup tu te fais prendre par le jeu du film, qui est, comme je disais, simple, mais c'est tellement simple et tellement efficace que Fred Cavaillé en maîtrise chaque aspect. Bon, malheureusement, depuis Fred Cavaillé, il a un peu fait n'importe quoi. C'est-à-dire que par la suite de Pour elle, il a fait deux super longs métrages, deux films que j'estime énormément, qui s'appellent À bout portant et Mea culpa. Mea culpa étant une tuerie, c'est un espèce de pur trip d'action qui dure 1 h 25, bien tassé, bien torché, où en gros, c'est juste un gamin qui se fait courser par des malfrats et son père et un ami vont essayer de le sauver. Franchement, plus accrocheur. C'est pas possible. Et À bout portant, pareil, même type de concept. En gros, un mec se fait appeler par des malfrats, ils ont sa femme et ils menacent de la tuer, et lui, il va courir dans tout Paris pour essayer de la sauver. Enfin, Fred Cavaillé, au travers de ça, il avait réussi à concevoir un cinéma d'action qui ne cherchait jamais à être plus que du bon divertissement, assez subtil et assez simple, pour réussir à nous embarquer de bout en bout. Et Pour elle, était la parfaite démonstration de ça, parce que c'est hallucinant de voir à quel point il a envie de nous faire rentrer dans un cinéma d'action qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. Déjà, il y a le choix de Vincent Lindon en tête d'affiche. Vincent Lindon, c'est la dernière personne à laquelle on pense quand on se dit film d'action français. Et pourtant, il déboîte. Il déboîte de bout en bout. Cet acteur, de toute façon, est immense. Il a été capable de faire de la comédie, de faire du drame, de faire du thriller, de faire de l'action. J'adore Vincent Lindon. Vincent Lindon, c'est un immense acteur, et ici, Fred Cavaillé, c'est une idée de génie qu'il a eu de le caler en tête d'affiche de ce métrage, accompagné par Diane Kruger, Diane Kruger qui joue parfaitement bien la mère qui est dans une situation qu'elle n'arrive pas complètement à saisir. Et ce qui est intéressant, c'est que de bout en bout de métrage, il y a une ambiguïté. À aucun moment, on arrive à savoir si elle a vraiment buté cette femme, ou si c'est un malentendu, ou si c'est une erreur, ou si... On ne sait pas. Et cette tension, du coup, arrive à emporter le métrage encore plus loin. Et tout ça, en fait, tous ces éléments, c'est ce qui me font adorer Pour elle. Pour elle, aujourd'hui, c'est un film qui est un peu tombé en désuétude, qu'on a tendance à facilement oublier, à se dire, ouais, tu te rappelles de Pour elle? Ouais, tu peux me refaire le pitch? Ah, ouais, ça me dit vaguement quelque chose, mais alors je m'en souviens plus. Alors que c'est dommage en soi. C'est un film qui a pas priori une ride pour moi. Vraiment, c'est un film qui arrive de bout en bout
alors qu'il a quand même plus de 12 ans, a rappelé que le cinéma français est capable de livrer plein de choses intéressantes, que ce soit de l'action, de la comédie, du drame, du thriller, du genre. Le cinéma français est capable de livrer beaucoup de choses différentes. Et pour elle, est un brillant moment de conception là-dessus. Si ça vous intéresse, en plus, dessus, sur le DVD de Pour elle, il y a bon, un petit making-of qui n'est pas forcément fou, mais il y a surtout le premier court-métrage de Fred Cavaillé qui démontre bien que dès ses cours, il avait cette ambition de vouloir faire un cinéma qui sortait de l'ordinaire et qui avait envie de proposer une autre vision du genre. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que dès ses prémices, Fred Cavaillé, c'était un mec qui savait dans quelle direction il avait envie d'aller. Et Pour elle, en est la parfaite démonstration d'à quel point c'est un cinéaste qui est créatif et inventif. Et je pense qu'au travers de Radin, il a voulu expérimenter un petit peu de la comédie, comme c'était le cas de beaucoup de cinéastes de genre, au travers d'un milieu des années 2010 un peu bizarre. Je sais pas trop quoi en penser du jeu. Le jeu, j'en avais parlé à l'époque et c'est pas fou. Moi, j'aimerais bien voir Fred Cavaillé revenir à un cinéma d'action pur et dur, genre qu'il aille sur Netflix et qu'il se tape un bon délire, comme ça a pu être le cas avec Balles perdues, et qu'il nous pond un espèce de film d'action survolté, qui soit à l'ancienne, comme il aimait le faire. Et franchement, c'est que ce que je demande à voir. Parce que Pour elle de Fred Cavaillé, réellement, si vous ne l'avez jamais vu, foncez le voir, parce que vous allez passer un moment de dingue. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, bah, re-regardez-le, parce que je pense que ce film mérite d'avoir aujourd'hui une sacrée reconnaissance, quand on n'arrête pas de dire, le cinéma français est plan-plan et facile. Rappelons-nous que pendant une longue période, il n'a pas souhaité l'être. Voilà, ainsi s'achève cet épisode 34 de Au coin du DVD. Encore une fois, si vous avez vu le film ou si vous ne l'avez pas encore vu, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je lirai ça avec attention et on partagera ensemble notre amour du cinéma français. Et comme d'habitude, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.